Voilà, chers frères et sœurs, une cordiale bienvenue, bienvenue à nos visiteurs, à nos internautes également. Et je vous invite à vous lever afin de chanter, de tourner les yeux vers le Seigneur. Normalement, la musique va nous accompagner. À prier ensemble. Notre Père, merci Seigneur d'être parmi nous ce matin. Merci également d'être parmi celles et ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, qui sont dans la souffrance, dans le malheur, mais également peut-être dans le deuil. Sois auprès d'eux, nous le savons, tu pourras les soutenir, ils sentiront ta présence. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir lire ta parole de Dieu jour après jour et sabbat après sabbat pouvoir débattre de cette parole afin de nous enrichir, afin de grandir, afin de progresser sur ce chemin que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette main tendue qui nous permet de trouver ce chemin, de pouvoir progresser sur ce chemin, malgré parfois les embûches, les difficultés. Nous savons, Seigneur, que cette main est toujours à notre disposition et nous pouvons la prendre.
Merci Seigneur pour ta présence ce matin. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Je vous invite à continuer par un cantique dans le DLG numéro 112, Vous qui sur la terre, vous qui sur la terre habitez. Je vous invite à prendre votre Bible, sous quelque forme que ce soit, électronique ou bien sur papier, et l'ouvrir dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, où nous lirons les versets 1 à 3. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est Yao Atsu qui nous partagera maintenant la parole de Dieu. Bonjour, chers sœurs et frères en Christ. Bonjour. J'ai préparé cette prédication surtout pour les enfants, mais je vois que les enfants ne sont pas nombreux aujourd'hui. Les enfants sont en congé et donc ont voyagé. Je ne sais pas, je crois que quelques-uns sont quand même là et que même nous, les grands, nous pouvons parfois bien écouter ce qu'on dit aux enfants. Donc, je voulais parler de l'obéissance des enfants envers leurs familles, parents, avec l'aide de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu parle souvent à toute l'Église et à chaque personne dans l'Église. Il parle aux épouses et ensuite aux maris
Et maintenant, il va parler aux enfants dans son église. C'est beau. Oui, le Dieu Tout-Puissant prend le temps de vous parler à vous les enfants. N'est-ce pas magnifique? C'est normal que Dieu parle aux enfants. Dieu a dit à Abraham, « Je serai ton Dieu et celui de des enfants après toi. » Dieu s'est engagé à être le Dieu d'Abraham et le Dieu de ses enfants. Autrefois, en Israël, Dieu s'occupait des enfants. Il le fait encore aujourd'hui dans son Église. Il n'a pas changé. Sa promesse est toujours vraie et il est notre Dieu et le Dieu de nos enfants. Paul, quand il parlait aux Éphésiens, il n'a même pas réfléchi autrement avant de parler aux enfants, parce qu'il sait que les enfants font partie de l'Église. Il s'adresse d'abord aux épouses, aux maris, et il enchaîne tout simplement en parlant aux enfants, puis aux pères, aux serviteurs et aux maîtres. Dans d'autres textes de la Bible, nous voyons qu'il s'adresse encore à d'autres catégories de personnes dans l'Église. Dieu n'oublie personne dans son Église. C'est merveilleux. Il a une parole pour toute son Église qui nous concerne tous, et il a une parole pour chacun et chacune d'entre nous en particulier. En même temps, n'est-ce pas surprenant? Le Dieu très grand qui parle au tout petit, le Créateur du ciel et de la terre, occupé à gérer des milliards de galaxies et des milliards de grands événements internationaux, qui prend le temps de parler à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais vous savez, c'est tout aussi surprenant de l'entendre parler aux adultes. Qui sommes-nous pour que Dieu daigne nous parler? Le Dieu trois fois saint prend le temps de parler à des pécheurs comme nous, grands et petits. Voyez comme il nous aime en Jésus-Christ. Oui, les enfants, Dieu vous parle, à vous spécialement. Vos parents sont très intéressés d'entendre ce que Dieu vous dit, et à toute l'Église, nous voulons tous entendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. Et que dit-il? Ce qu'il dit, c'est ce que notre frère Claude vient de vous lire. Vous, les enfants, avec l'aide de l'Esprit, vous obéirez de bon cœur à vos parents, et alors Dieu vous bénira toute votre vie. Oui, Dieu vous parle, car vous faites partie de son Église. La dernière fois, quand le frère,
j'oublie un peu son nom, Michel Raz, nous parlait aussi des enfants. Il a dit quelque chose et après il m'a regardé. Il a dit, c'est ce que nous disons. Mais en fait, les enfants, parce qu'il dit, les enfants font partie de l'Église de l'avenir. Et il a ri parce que, en fait, les enfants font partie de l'Église d'aujourd'hui, avec nous. Donc, on ne peut pas dire ils font partie de l'Église et de l'avenir. Ils font partie de l'Église aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu leur parle par l'intermédiaire de Paul, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, les versets 1 à 3 que nous avons lus. Le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens commence par un mot, enfant. Oui, vous les enfants, obéissez à vos parents. Voilà ce que Dieu vous dit. À quel âge est-on considéré comme un enfant? Un enfant, c'est à quel âge un enfant? Quand il est déjà bébé, c'est un enfant. Bébé, après un an, deux ans, ensuite il y a les garçons et les filles de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus, les grands garçons et les grandes filles de 10 ans et plus, les adolescents de 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'au moment où les enfants quittent la maison. Aussi longtemps que vous vivez avec vos parents, sous leur direction, sous leur protection, sous leurs bons soins, ensuite, ça change, on devient adulte. C'est spécial, n'est-ce pas? Dieu pense à vous et vous parle. Il veut votre bien. Il prend soin spécialement de vous. Il vous a donné des parents chrétiens, mais vous faites aussi partie de la grande famille de Dieu. Il vous a mis dans son Église, mais oui, au début de sa lettre aux Éphésiens, Paul dit, Paul, apôtre du Christ de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Paul n'a pas écrit à toute la population de la ville d'Éphèse. Il a écrit aux saints et fidèles de l'église d'Éphèse. Pendant 5 chapitres, le chapitre 1 à 5, il dit d'abord des choses à toute l'Église, grand et petit, et puis au chapitre 5, il se met à parler à certaines personnes précises dans l'Église, aux épouses, aux maris, puis au chapitre 6, il dit « enfants ». C'est-à-dire les enfants, c'est votre tour. Toute la lettre aux Éphésiens est pour vous et pour toute l'Église. Vous les enfants,
vous faites partie des saintes et fidèles en Jésus-Christ comme les grands. Mais là, en Éphésiens 6, Dieu vous parle tout spécialement. Jésus a dit, laissez venir. En Marc 10, versets 14 à 16, il est dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Le jour de Pentecôte, Pierre a aussi dit aux Juifs, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est dans Actes 2, verset 39. Oui, la promesse est pour vous. Quelle promesse? La promesse du pardon des péchés en Jésus, la promesse du Saint-Esprit qui nous donne la vie nouvelle. Cette promesse est pour vous, les enfants. Je prends la peine d'insister et je me tourne aussi vers les grands parce que c'est important. Dans le contexte actuel, quand on regarde à l'ensemble du monde chrétien, ce ne sont pas tous les chrétiens qui comprennent que les enfants des croyants font partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Loin de là, beaucoup d'églises disent que dans la nouvelle alliance, la composition de l'Église ne serait plus comme dans l'ancienne alliance. Dieu aurait changé sa façon de faire. Autrefois, les bébés garçons étaient circoncis pour montrer qu'ils faisaient partie de l'Église, de l'alliance et que les promesses de Dieu était pour eux. Mais maintenant, les enfants ne feraient plus partie du peuple de Dieu. Il faudrait attendre qu'ils soient assez grands pour comprendre et croire en Jésus. Mais non, pas du tout. Éphésiens 6 nous prouve que les enfants des croyants font partie de l'Église. Oui, chers enfants, vous faites partie de l'Église de Jésus. La preuve, son esprit vient vous parler avec amour. Il prend soin de vous. C'est merveilleux. Que dit-il aux enfants? Il dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire écoutez bien quand vos parents vous parlent et ensuite faites ce qu'ils vous demandent. Faites-le de bon cœur, sans grogner, sans rouspéter. Maman me demande d'aller ranger ma chambre. J'obéis, je vais ranger ma chambre. Papa me demande d'aller ramasser les feuilles dehors. J'obéis, je le fais. Je n'attends pas qu'il le répète trois fois. Mes parents me disent de rentrer à telle heure le soir. Je rentre à cette heure. Je n'essaie pas de trouver des détours pour rentrer plus tard. Mes parents me demandent de bien écouter la lecture de la Bible en famille. J'écoute bien la lecture de la Bible et je pose des questions pour mieux comprendre.
Faut-il toujours obéir à ses parents? Oui, bien sûr, toujours, sauf une exception. Est-ce que vous pensez qu'il y a une exception? Laquelle? Si jamais vos parents vous demandent de faire quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu ne veut pas, là, vous n'avez pas besoin de leur obéir. Au contraire, vous devez toujours obéir à Dieu en premier. C'est pour cela que Dieu dit « Obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Pour faire plaisir au Seigneur selon sa parole, si vos parents vous demandent d'aller voler un objet chez le voisin, bien sûr, ne le faites pas. S'ils vous demandent de mentir, vous refusez. Mais d'habitude, vos parents vous demandent de bonnes choses. Dieu vous a donné vos parents pour prendre soin de vous, vous nourrir, vous enseigner sa parole, vous faire connaître Jésus, vous montrer à travailler, à étudier, à respecter les autres, à servir dans l'Église. Ils sont là pour vous encourager et vous montrer à être persévérant dans l'épreuve. Je constate quelque chose. Peut-être que je le fais parfois aussi. C'est que c'est par rapport à mentir. Parfois, quelqu'un rentre dans ta maison, il demande aux enfants, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu dis, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Tu dis doucement, je ne suis pas là. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de mentir. Donc, nous ne devons pas dire ça aux enfants, que je ne suis pas là, que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là. Il vaut mieux que la personne vienne, tu te lèves, chez nous, c'est souvent le matin, très tôt. Il vient pour te retrouver vraiment à la maison et te demander ce qu'il veut avoir de toi. Il vient très tôt, à 5 heures déjà. Il est là. Il t'attend. Et si tu dis à ton enfant, dis-lui que je ne suis pas là, bon, tu as menti. Ce n'est pas bon. Parfois, nous faisons certaines choses. Ça agit mal sur l'enfant, mais nous ne le reconnaissons pas immédiatement. Moi, je ne fais plus ces choses-là. Je ne dis plus, je ne suis pas là. Je dis seulement de s'asseoir, de lui donner là où s'asseoir, que je viendrai. Et je prends mon temps avant d'aller. Dieu vous a donné vos parents pour prendre soin de vous, pour nourrir, pour enseigner sa parole, vous faire connaître Jésus, vous montrer à travailler, à étudier, à respecter les autres, à servir dans l'Église. Ils sont là pour vous encourager, vous montrer à leur et à être persévérant dans l'épreuve. Dieu vous a fait un très beau cadeau. Il vous a donné des parents qui vous aiment et qui aiment Dieu. Comment faire alors pour remercier Dieu? C'est en obéissant à vos parents, car cela est juste. C'est bien de le faire.
Pourquoi? Parce que Dieu le dit, Dieu le veut. Qui a inventé cette règle? Enfants, obéissez à vos parents. Est-ce nos parents? Non, c'est Dieu qui l'a voulu. Souvenez-vous, quand le peuple d'Israël souffrait beaucoup en Égypte, Dieu les a délivrés par son bras puissant. Dieu les a rassemblés au Sinaï, les grands et les petits, toute l'Église. Il a fait alliance avec eux. Il leur a donné les 10 commandements. L'Esprit de Dieu a parlé à toute l'Église et l'Esprit de Dieu a parlé spécialement aux enfants dans l'Église, comme aujourd'hui. Il leur a dit, « Honore ton père et ta mère. » Exode 20, verset 12. C'est le 5e commandement. Que veut dire honorer son père et sa mère? Pour les enfants, cela veut dire obéir à papa et à maman. Quand vous serez des adultes, vous n'aurez plus besoin d'obéir à vos parents, vous déciderez vous-même, mais Dieu continuera de vous demander d'honorer vos parents. De quelle façon allez-vous les honorer? En ayant du respect pour eux, en les aimant, en prenant soin d'eux, Dieu vous demande d'honorer nos parents toute notre vie. Mais quand on est enfant, c'est en obéissant à ses parents qu'on le fait. Dans notre texte, Paul cite le 5e commandement dans Éphésiens 2. Pourquoi? Pour montrer que Paul n'a pas inventé cette règle, c'est un commandement donné par Dieu. Ce n'est pas une invention des hommes. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent que la règle d'obéir à ses parents est une invention humaine. Et donc, la règle pourrait changer. On pourrait l'enlever. Les enfants n'auraient pas besoin d'obéir à leurs parents. Les enfants pourraient désobéir quand ça leur tente. Ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent et même se rebeller contre leurs parents. Ce serait plaisant, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. Ce serait le désordre, la confusion, la catastrophe. Les parents qui n'aiment pas leurs enfants leur laissent faire tout ce qu'ils veulent. Et qu'arrive-t-il alors? Les enfants sont malheureux. Il ne faut pas écouter ce mensonge. Nous avons le privilège de connaître la vérité, la parole de Dieu nous dit que c'est le Dieu qui a donné ce commandement, le 5e commandement, pour notre bien, parce qu'il nous aime. Notre Créateur et Sauveur veut que les enfants obéissent à leurs parents dans le Seigneur. Alors, cette règle est juste et bonne. Elle ne change pas. Mais comment faire pour toujours obéir à papa et à maman? C'est parfois difficile. On n'a pas toujours le goût d'obéir. Nous sommes tous pécheurs, grands et petits. Nous sommes tous désobéissants au Seigneur. Je peux imaginer que certains des enfants de cette église ont déjà désobéi quelquefois à leurs parents. Moi aussi, je l'ai fait quand j'étais petit. Et je le regrette. Ce n'était pas correct. Alors, que faire ?
d'abord demander pardon à papa et à maman et demander pardon à Dieu, notre Père Céleste. Ensuite, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à mieux faire. Aide-moi à obéir à mes parents. Dieu promet de nous aider par son esprit. C'est beau. Avant Éphésiens 6, il y a Éphésiens chapitre 1 jusqu'à chapitre 5. Le Saint-Esprit nous dit beaucoup de choses importantes avant de dire « Enfants, obéissez à vos parents ». Dieu commence par nous promettre de très belles choses aux grands et aux petits. Sinon, ce serait très décourageant de juste se faire dire « Enfants, obéissez à vos parents » parce que nous ne sommes jamais capables par nous-mêmes d'obéir de bon cœur. Loué soit notre Dieu, l'Esprit de Dieu commence par dire le salut par le sang de Jésus. Il nous promet le pardon de nos péchés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par notre obéissance. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il nous promet son Esprit Saint qui change nos cœurs durs et nous donne la vie nouvelle. Les enfants, cette belle promesse est aussi pour vous. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de bien obéir à vos parents. Vous ne serez jamais capable. Avec le Saint-Esprit, ce ne sera pas toujours facile. Nous sommes encore pécheurs, mais oui, vous pouvez commencer à obéir de bon cœur à vos parents. C'est merveilleux. En plus, Dieu promet une belle récompense aux enfants qui obéissent à leurs parents. Qu'est-ce qu'il promet? C'est au verset 3 de Éphésiens. Il vous promet de vous bénir toute votre vie. Oui, c'est vrai. Dieu vous promet une belle récompense pour vous encourager à obéir à vos parents. C'est pourquoi il dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Oui, une belle promesse, mais une promesse qui soulève des questions et qui a besoin d'explications. La première question, pourquoi le cinquième commandement serait-il le premier accompagné d'une promesse? Déjà dans le deuxième commandement, Dieu a promis sa bienveillance pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc la réponse, c'est parce que la promesse de bienveillance est générale. Elle est bonne pour tous les commandements, tandis que la promesse d'une vie longue et heureuse est spécifique. Elle est pour ceux qui honorent leurs parents. C'est le premier commandement avec une promesse particulière pour ceux qui gardent ce commandement. Deuxième question. Vivre longtemps sur terre, est-ce vraiment une belle promesse? Quand on pense à toutes les misères, maladies, accidents qu'on peut subir, c'est vrai, la vie sur terre peut nous apporter bien des misères, qu'on soit jeune ou vieux.
Mais Dieu promet ici deux choses. Pas seulement longue vie, mais longue vie et bonheur. D'où vient le bonheur? Il vient du bon berger qui promet de nous accompagner toute notre vie. Le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu, recevoir l'amour de Jésus, être conduit par son esprit. Les enfants qui obéissent à leurs parents ont la promesse de vivre longtemps et heureux en communion avec Dieu, dans leur marche avec Dieu. Troisième question. Oui, mais parfois, certains enfants obéissants meurent jeunes et parfois, certains enfants désobéissants vivent longtemps. N'est-ce pas contraire à cette promesse? C'est vrai qu'il faut faire attention. Dieu a un plan différent pour chacun de nous. Il a plusieurs raisons de nous faire vivre et mourir jeunes ou vieux. Nous ne comprenons pas toujours ces raisons. Nous savons seulement que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cela se trouve dans Romains 8, verset 28. Mais en règle générale, les enfants rebelles et désobéissants ont de mauvaises conséquences durant cette vie. D'une manière ou d'une autre, certains vivront longtemps, mais ne vivront pas le vrai bonheur avec Dieu. Ils subiront des conséquences malheureuses de leur désobéissance. Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres, nous dit Proverbe 20, verset 20. Ce sont là des paroles sérieuses. Les enfants qui honorent leurs parents recevront des bienfaits, non seulement dans l'éternité à venir, mais déjà durant leur vie sur cette terre. Chers enfants, si vous apprenez aujourd'hui à obéir à vos parents avec l'aide du Saint-Esprit, plus tard, vous serez capable d'obéir à vos patrons. Si vous écoutez vos parents qui vous montrent à servir, à travailler, à ne pas se décourager, à respecter les autres, plus tard, vous serez capable de servir auprès de votre femme, de votre mari et de vos enfants que Dieu vous donnera. Vous serez capable de travailler, d'être ponctuel, de bien faire ce que votre patron vous demande. Vous apprendrez à être respectueux, serviable, reconnaissant. Vous aurez déjà appris tout cela à la maison. Beaucoup reconnaissant. Beaucoup d'employeurs se plaignent d'être incapables de trouver de bons travailleurs respectueux, ponctuels, persévérants. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons est parce que plusieurs jeunes sont rebelles à leurs parents. Et parfois, c'est la faute des parents qui ne montrent pas à leurs enfants, à les respecter et à les honorer, et les laissent faire ce qu'ils veulent. Bénis soient les parents qui enseignent ces choses à leurs enfants. Bénis soient les enfants qui obéissent de bon cœur à leurs parents avec l'aide du Saint-Esprit. Le plus important de tout, c'est le bonheur éternel, la vie éternelle dans le nouveau ciel
et sur la nouvelle terre à venir. Chers enfants, écoutez vos parents quand ils vous lisent la Bible. Chers parents, lisez la Bible avec vos enfants. Quand vos parents vous expliquent les belles promesses de Dieu et ses bons commandements, apprenez à connaître Jésus chaque jour un peu plus. Apprenez à croire en lui, à marcher avec lui, en suivant l'exemple de vos parents. Quand vous serez plus grand, vous marcherez avec Dieu par vous-même, sans avoir besoin que vos parents vous le disent. Apprenez à connaître et à aimer Jésus-Christ aujourd'hui avec vos parents, et vous aurez le bonheur éternel et la vie éternelle aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Amen. Merci. Merci Yao pour ce beau message. Je veux chanter, mais j'espère que vous voulez également chanter. Je vous invite à vous lever afin de chanter ensemble ce cantique dans le cantique numéro 1. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te prions de nous considérer aussi grands et petits comme des petits et nous pardonner toujours nos manquements et de nous reprendre pour nous diriger sur la bonne voie, afin que notre fin de vie soit heureuse et que aussi
nous puissions avoir la vie éternelle quand notre Seigneur Jésus reviendra. Sois avec chacun de nous et dirige chacun de nous encore dans la semaine. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous prions. Amen. Amen. La bénédiction que je vous propose est dans Philippiens, au chapitre 6, et versets 23 et 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Un bon sabbat, belle semaine à toutes et à tous.